Petite VOD, bonjour. Petite VOD de Gartic Show. Parce que j'ai jamais fait de VOD dessus. Donc on va faire un peu. Voilà. Donc sur Gartic Show, le principe, un Gartic Phone, mais où la commu peut jouer. Ce qui rend le concept fantastique. C'est bien là. Voilà, je mets ma caméra ici. Let's go. La musique est un peu forte, non? Oh, c'est ok. On terminera vers minuit, pas avant, je pense. Ok, tu me diras. Hop là. On verra si on fait un peu de Sea of Thieves après. Ok, du coup. Mon système. Ah mais il y a une musique. C'est vrai, la musique est fantastique. Ben. 90 secondes, 15 manches, let's go. On est parti. Non, mais non, mais... Oh, c'est trop dur. Ah, oh, c'est trop dur. Bon. Sachez que c'est comme deux mots collés. Parce que vous n'allez pas avoir d'indication. Donc voilà. Et sachez que c'est un truc que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Vous avez le truc, mais... Oh, putain. Est-ce que je vous donne... Il y en a un qui l'a presque parfaitement, sauf que c'est en un seul mot et c'est inversé. Et il y a un accent. Mais en gros, vous l'avez. Ah, putain, mais je savais même pas qu'on disait ça, hein, en vrai. Hein. Putain, en témoignat, quoi. Oui, c'est vidéocassette en collé. Vous saviez ou pas? Ça existe vidéo cassette collée comme ça? J'ai jamais entendu moi. Les deux sont durs, mais ils sont tous très durs. Allez, je teste ça, on va voir. Pardon pour le vol, c'est moche complètement. J'ai envie de faire CTRL Z, ça marche ou pas? Oui. Oh, on s'en fout de ça. Ok. Hop. Plus petit. Putain, j'ai pas le temps. Mais sérieux, quoi. Incroyable. Ça m'a hanté beaucoup trop fort. Attendez. Je fais sûr de pas faire une erreur en vous dessinant ça. Parce que je prends le mot le plus long. Enfin, bref. Oh non, mais en fait c'est trop facile. Si je vous dessine le symbole, c'est trop facile. Bah je vais faire l'autre. Je vais faire l'autre. Peut-être plutôt que je fasse ça. Hmm.
Comment je peux le faire? Ah bravo! J'allais essayer de faire comme une cage pour qu'on comprenne le côté verrou. Bravo, bravo! Oh! Les deux, c'est facile. Là, les deux, c'est facile. Allez, on en parlait tout à l'heure. C'est facile. Moi, c'est facile. C'était sûr. L'autre, c'était île. Bon. Ah, il aurait fallu limite que je fasse une carte, que je monte l'Australie et puis que je vous laisse galérer. Ça aurait fait pas mal. Oh! Allez, on va tenter ça. Est-ce que je suis sûre de savoir à quoi ça ressemble? Pas trop. Pas trop, pas trop. Incroyable, incroyable, incroyable! Il est fantastique! Ça ressemble à peu près à ça, je crois, hein? À peu près. En même temps, je suis obligée de faire au plus simple. Il y a des trucs que je crois. Je suis pas sûre de savoir à quoi ça ressemble. Allez, je le tente. Je savais à quoi ça ressemblait. Je le tente. Si vous trouvez pas, c'est tant pis. Parce que c'est plus pointu que l'autre, quand même, je trouve. Ok. Ok. Qu'est-ce que je peux rajouter? Faut que je fasse en plus petit. Ah, c'est pointu, hein. Ah non, vous êtes très loin, en fait. Oh, vous êtes super loin de fou. Comment faire pour vous montrer ce que c'est? C'est compliqué. Vous êtes trop loin. Oh, ah si, Venice, mais ça marche pas. Pourquoi ça peut marcher? Oh, c'était au pluriel. Ciseau était au pluriel. C'est vrai qu'il vous dit pas. Elle était bien mon ciseau à bois, non? Et c'est pointu, ciseau à bois. Loin. Elle avait écrit loin, Témonia. Ciseau à bois, ça existe tout à fait. Tout à fait, je me rappelais que ça ressemblait à Nîmes. Mais c'était pas Nîmes. Mais Vendis l'avait, mais c'était ciseaux pluriel. Ah, oh, je peux faire ça en référence à ça. Je sais pas si les gens auront la ref. Allez, je tourne ça. Ah oh, putain, je
choisi un truc encore. Faire comme ça plutôt. Je sais pas si. Des oreilles ? Ouais, sûrement. Est-ce que des gens ont la ref ? La ref tellement old ! Est-ce que t'avais la ref en tête ? Oui, les éponges Pontex. Ah, je me suis dit, je peux juste faire une éponge. Et il y avait des pubs à une époque avec des hérissons pour les éponges. Oui, ça a des petites oreilles, hein. Oh, ouais, elles sont là. Voilà, c'est ça que j'ai reproduit. Il faisait même des trucs chelous. Ouais, un peu, ouais. Il tomba amoureux d'éponge Pontex. Alors de mon côté, le dessin n'a pas encore commencé. Collection de Suisse. Fais un petit F5, mais effectivement, il y a un petit décalage. Enfin, c'est pas rare qu'il y ait un décalage. Oh, les deux sont simples. Hein. Ouais, ça va être. Ah non, celui-là, c'est pas simple. Parce qu'il faut préciser un truc. Allez. Je pensais que c'était toute visqueuse à la fin. Bon, alors je vais vous donner un indice. Hanté est dans le bon. Voilà. J'allais essayer de mettre une petite couche de caramel dessus, mais tu as été trop rapide. Elle est trop forte, Hanté. Mais elle est trop forte, elle connaît trop Gartic et tous ces trucs-là. Je montre ça, moi. Allez, je tente. Quand t'as dit, faut préciser. Ouais, bah, je préfère le dire parce que vous avez aucun indice. Je sais pas pourquoi je lui fais une tête comme ça. Ce que je lui fais comme visage à lui, hein. J'ai une petite oreille, tiens. J'ai un chapeau. Voilà. C'est un verbe. Non, pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Bravo, merci Yernaël, salut à toi! Yernaël qui était sur... J'ai pas vu.
The Legend of Zelda, Skyward Sword. Skyward Sword qui est le seul Zelda récent que j'ai jamais terminé parce que j'ai du mal à accrocher. Mais qu'en penses-tu, toi, donc ? Ça fait longtemps en même temps que j'ai testé. Salut, Captain Nyx. Merci beaucoup pour le raid. N'hésitez pas à les follow Yarnel. On va faire du Among Us bientôt. Et on a fait du Among Us ensemble. Il est fort sympathique et doux. Salut Xedio, salut Princesse Marchand. Il est sorti par la bite. Salut Noémie, merci Axel pour le follow, merci beaucoup. Les terribles rebes des biscouts. Et oui. Salut Chaninja. Bonjour Lox. Je sais comment t'as écrit ça. Merci beaucoup. Je vais être très cool, je suis contente d'offrir une nouvelle aventure. C'est vrai que ça pourrait être sympa après que j'essaye de le redécouvrir. Jeudi prochain, faudra qu'on se fasse un vocal ce week-end. Ce serait top, si t'as le temps. Ouais. Ouais, tu me dis ça quand t'es dispo. Voilà. Ouais, pas de soucis. Vivement la prochaine, ouais, c'était trop bien. La bande de terribles qui te raident. Merci beaucoup à tous et toutes. N'hésitez pas à faire un petit follow. Et j'ai pas de point exclamation ISO parce que j'oublie tout le temps de le faire. Mais les modos, si l'un de vous peut mettre un petit lien de Yarnel. Attendez, non, je vais pouvoir le faire moi facilement. Non, je peux pas le faire facilement, mais si, je vais pouvoir le faire. Il est sorti par la bite, celui-là. Salut Claire, je vois pas du tout avec Grision qu'a gagné. Claire Twitch, tout simplement. Merci beaucoup. Je follow déjà. Oui, alors je parle surtout pour les gens qui étaient là avant pour aller raid. Red, follow le petit Yarnel. Tiens, tenez, je vous mets ça dans le chat. Voilà. Je viens d'entendre. De quoi ? Je dis quoi ? J'ai plein de choses. On fait du Gartic Show. Si vous connaissez pas, c'est un Pictionary, mais où le chat peut jouer. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, si vous êtes fort. Sachez qu'on a Antémonia, modératrice, dans le chat, qui est trop forte. Bah ouais, tu me dis quand tu veux vocal, Yarnel, pas de soucis, tu mets ça, puis on se fait ça, hein, pas de soucis. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur, mais comment je fais ça? Ça, c'est pas possible, ça. Non, mais comment je dessine ça? Je vais tenter l'autre truc. On va voir si vous allez comprendre. Il est sorti. Des bisous, Princesse Macon, merci beaucoup. Salut Glouglou, merci pour le follow. On va voir si vous trouvez. Si vous trouvez, sachez que vous êtes particulièrement fort et respectable et respecté. Voilà. Putain, Captain Nyx, incroyable, il a trouvé mais trop fort. Ah, vous aviez trouvé quand même. Ouais, je devais faire des gens dedans pour qu'on voit que c'est pas un train et qu'ils tiennent en fait. Incroyable, mais trop fort. Interprétation. Oh merci Axel, c'est très gentil. Je l'ai écrite il y a longtemps. Et bah j'en suis toujours contente. Et ça me fait très plaisir quand des gens les lisent. Même s'il faudrait que je vérifie s'il n'y a pas de faute, parce que je crois qu'il y en a. Ok. Un truc en deux mots. Non mais ça c'est plus rigolo. J'ai plus envie de faire ça. Enfin rigolo. Relatif quoi. Disons que moi là ça enfin bref. Bizarre la position là. Attendez, excusez-moi. Non mais sérieux? Mais en témoignage, j'ai à peine dessiné des petits bouts d'hommes. Et elle trouve iceberg. Et en témoignage, elle a la technique du jeu spam. Si c'est pas ça, ça veut dire qu'on va extrapoler au maximum autour de la zone.
Bah oui, parce qu'en fait, elle écrit vite. Du coup, elle a commencé par Radeau, Kraken, Titanic. Si c'est pas Titanic, bah attends, Iceberg et c'est bon. Elle est trop forte, trop rapide. Ça existe, ça? Oh, je vais tenter un truc. Merde, j'ai le tab. Non, mais ferme-la le jeu. Mais putain, je veux le tab juste. Mais... Il met... Mais... Allez, à le tab, je veux pas le tab, je veux CTRL Z. En fait, il met tout le temps la gomme. Non, alors, c'est comme ça. Je sais qu'on... On dit des fois ça, mais sinon c'est autre chose. Du coup là, imaginez, c'est soit ça, soit... Oh, j'ai pas le temps. On dit bien un sac à bananes pour les moules bites, non? Moi, j'ai déjà entendu ça, moi. Mais c'est peut-être ton esprit malade. Alors du coup, je commence à faire un sac avec des bananes. Ça existe, non? Moi, j'avoue... j'avoue, j'extrapole plus comme ça. Bon, d'accord. Je sais pas, j'ai déjà entendu, attendez, mon esprit malade. Ouais, bah je suis un peu malade. J'y mets sac banane. Ah ben non, une banane, c'est ça. Ouais, c'est les petits sacs. Pardon. Pardon. En fait, j'avais lu sac à banane. Et pas... Bref. Oui, c'est les petits trucs, ouais. Il est sorti par la bite, celui-là. Pardon. Hello, Fury. Excusez-moi. J'en fais un simple. Un simple, mais il y a un tiret. Je préfère vous le dire. Je préviens qu'il y a un tiret, ça y est, elle est trop forte. Hello, Fury. Incroyable. Merci beaucoup K9. KH9, qu'est-ce que je dis, pas K9. Puis l'overroom, il y avait un tiret, Noémie. Merci beaucoup pour la bocado à glouglou. Ça me fait penser qu'il faut que je boive. Mais oui, parfois les mots, je vous donne des indices parce que c'est un peu chelou. Merci beaucoup, merci KH9. Bon, 94-20, mais bon, on dit KH quoi. Pour ton 16e abocado, c'est très gentil. Bon glou glou, oui. Oh, c'est dur ça. Les deux sont durs. Je vais tenter ça parce que c'est le plus vague. Et je me dis... Ça va être sympa. Bon, on va voir. Imaginons que je fais ça, comme ça, genre... Hop. Un truc genre qui fait comme ça.
non, je sais. Je vais faire ça autrement. C'est le même mot, hein, mais c'est juste que je vous représente ça autrement. Voilà. Alors, c'est pas très clair, hein, mais bon... incroyable. Et j'essayais de faire une allée comme dans Planet Zoo au début et je me suis dit bah non mais c'est con. En témoignage qui devine évidemment. Ah vous étiez plusieurs à l'avoir quand même. Ah Captain Nix l'avait aussi. Et après c'est Noémie, Vanidis, ouais ouais. Vous étiez quand même... ça va, vous l'aviez, bravo. Ok, truc de rapidité ou truc dur? J'hésite. Truc de rapidité, Anthony va gagner. Je vais tenter, c'est un verbe. Je vais tenter ça, mais comment le... Dur, ok. Salut Gweno! Je vais tenter ça et je vais faire deux dessins pour la même chose. Putain, j'ai rire. Voilà. Bon, vous avez compris, hein. En gros, mais c'est un verbe et là je vous mets de l'autre côté un autre truc qui montre ça. Ça. Ça va incroyable. J'allais faire un équilibriste, un funambule qui était sur un fil, mais j'ai pas le temps. Je suis obligée de vous donner des indices parce que vous n'avez pas le nombre de lettres ni de mots, enfin de lettres révélées au fur et à mesure, comme dans un Gartic Phone, enfin plutôt un Scribble classique. Donc je vous donne des indices. Bravo, Gridou. C'est Kiki Hens en témoigné avec 39 000 points. Bon, on va refaire un de toute façon avec du monde là. Va falloir détrôner Hanté à être forte. Captain Nix. Captain X qui est pas mal. Bravo, Captain. Et puis Grison qui est pas mal aussi. Et puis Surf One. Bravo à vous. On va refaire un petit 15 manches. Let's go. Allez. On va faire ça. On va faire un petit truc, Mimi. Je suis sick, ça. Non mais t'es sérieux? J'ai même pas le temps de faire l'œuf dans ses mains. Non mais c'est incroyable. J'allais faire un œuf dans ses mains. Et j'allais après faire les détails du lapin, quoi. Putain, vous êtes trop fort. Je vérifie que c'est bien ça. Oh ouais, non, ça c'est dur. Ok, j'essaye ça. C'est très dur. C'est pas vraiment... C'est pas une référence à la pop culture, si ça peut vous aider à vous diriger
plus. Bah, je vais faire ça. Arrête de tricher en fait. Elle est derrière moi. Comment? Comment? Genre, j'ai le temps de rien faire. C'est incroyable. On l'a eu tout à l'heure. Bah ça va être ça alors. Non mais non, mais c'est pas possible. Pas possible. Je vais me fâcher, hein. Mettre du temps un peu là. Mettre du temps. Neymar. À chaque fois que je veux CTRL Z, ça fait n'importe quoi. Bon. Ok, on a plus. On va. C'est bon. Ah bah non. Je mets où ça du coup? Mais comme ça. Seul mot. C'est un seul mot, du coup, voilà. Ah, je pensais que... J'avoue que j'ai pensé à ça. En fait, plusieurs, vous l'avez, mais vu que c'est un seul mot, faut trouver le bon mot. Bravo, Surfman ! Bravo, bravo. Échappement, je sais pas trop comment j'aurais pu le faire autrement, en vrai. Bravo. Bonne test. Je choisis le mot. Oh, j'en choisis un dur, mais je promets rien. C'est un verbe. Merci beaucoup, Dios, pour ton vœu à deuxième mois d'abo. J'espère que ça va. Très bonne année à toi aussi. Viens avec nous. Viens te faire rouler dessus par en témoigner à ce jeu. J'espère que je vais réussir à le faire, hein. Allez, on va faire comme ça. Oui. Voilà. Ah. Mais j'ai pas beaucoup de temps, je me rends compte. C'est un verbe. Et là du coup j'ai pas le temps. Incroyable. Bravo Noémie. Vous êtes foufou. J'allais lui faire un bouton dans les mains, mais j'allais essayer. Je commence l'année comme elle finit. Toi aussi t'es malade. Bon courage petit Jux. L'année du renouveau, du moins on l'espère. Je te le souhaite. J'espère que ça a été en tout cas avec le travail, tout ça, parce que j'imagine que t'as eu beaucoup de taf. Bravo Noémie, incroyable. Franchement GG. Oh. Moi.
Ouais, je vais dessiner ça comme ça, mais je suis même pas... Ah ouais, mais non, vous allez prendre ça pour autre chose. Oh merde! Ah là là, vous êtes... j'ai à peine le temps! Bravo Fury, bravo, mais c'est incroyable. Ouais, voilà, je me suis dit que vous avez tous pensé à au baril. Et sinon, j'allais faire après un bidon, mais... Genre si je mets bidon. Ah sinon j'aurais pu faire le ventre, le bidon. Ah ouais non, non d'accord, ok. On peut comme un baril, on peut rond. Ok. Ah oh, c'est chaud. Ah oh, c'est chaud. Ah oui, je sais ce que je peux faire. Ok, je sais ce que je peux faire. On va voir si vous trouvez. C'est chaud. Hein. Ok. Un seul mot, ça vous aidera. J'avoue, je me sers d'un modèle là. Excusez-moi. Allez, allez, il faut que je me dépêche. Ok. C'est en un seul mot, rappelez-vous. Hein. Oh, tant pis. Bon, c'est la sourcette la même couleur, mais bon. Non, c'est dur, c'est dur. Voilà, vous avez compris, la main. Ah, c'est dur. Et derrière. Derrière ça. J'ai pas le temps. C'était funèbre et j'essaie de faire les noces funèbres, mais putain. J'ai pas eu le temps. J'aurais dû essayer de consacrer juste la mariée, en fait. J'aurais dû essayer de faire juste la mariée. On a trop pas le temps. Mais c'est funèbre. Et le truc est encore pire. Je vous le dis pas au cas où on tombe dessus, mais... Oh GG, mais personne n'a trouvé. Mais c'était deux très dur. Oula. Là, ma playlist s'est mise en route. C'est un verbe. Ils arrondissent un peu les angles et tout, c'est marrant. C'est surtout un truc que des nanas peuvent trouver, je pense, mais de ma aussi. Voilà, c'est un verbe. Avec un accent pour ah
Putain, comment vous dire ça? Par la bite, celui-là. Salut Liridona. Décoloré, bravo! Et ça, c'était l'action de mettre là dans du papier d'alu pour quand il décolore. Bravo, Jax! Bravo, bravo. On n'a pas beaucoup de temps, hein. Vous étiez déjà à la fin. Vraiment, je suis allée à l'essentiel de fou. Bravo. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. C'est ce que je peux faire. Je regarde. Mais bon, ça, vous n'allez pas être beaucoup à la trouver, hein. Oh non, et puis je peux jamais. Je peux pas écrire, du coup c'est très dur. Ok, je vais tenter ça. Et je vais essayer de faire deux dessins pour vous faire deviner ça. C'est pas un verbe, si ça peut vous aider. Donc, ce sera genre... Faire comme ça, comme ça, comme ça... Comme ça, comme ça... Hop... Ça... genre voilà, vous comprenez peut-être vaguement ce que j'essaie de dire. Non, oula, sûrement pas. Bientôt la moitié du temps, donc je vais devoir passer au second dessin qui pourra vous aider. Voilà, en gros, premier truc et second truc qui pourra vous aider. On va voir. C'est le même mot, hein. C'est juste que j'essaye de vous faire deviner avec deux trucs. Faut que je cherche bien les couleurs. Ce serait genre ça. Et ensuite, ce serait genre... Oh, pas du tout. Allez, on va dire ça. J'ai pas le droit d'écrire un truc, mais... Voilà, sachez que c'est la même chose, hein. Oh là là, je pouvais pas... C'était la bière vedette. Et c'était une vedette. J'essayais de faire montrer le côté star, mais on a fait trop pas le temps. Et sans écrire vedette, comment faire deviner la bière vedette? Je ne sais pas. Parce qu'elle a vraiment rien de particulier, cette bière. En plus, elle est dégueulasse. Chaud, ouais, chaud, hein. C'est soit ça, soit valise. Je me suis dit, bon, allez, choisis le plus dur, hein. Fais ce qu'on peut. Je passe en plus petit. Incroyable! Oui, archéologue! Bravo, Morfufu! Salut à toi! Incroyable! Je suis choquée là. Ah! J'allais faire le petit pinceau, je me suis dit ça vous aiderait. N'hésitez pas à refresh, hein, si vous avez l'impression qu'il y a un petit décalage, ça aidera pas toujours. Aide un peu. Bon, choisis mon mot. Bravo en tout cas, Morfufu. Et j'ai deux trucs faciles là, pour le coup.
Allez, celui-là, parce que ça fait un peu plus rêver. C'est pas une blackface. Ça, quoi. Qu'est-ce que je fais? Alors, on va s'amuser. Oh non, j'avais pas le temps. J'allais m'amuser à dessiner les continents. Mais c'est planète, bravo Surf Moine. Bravo, bravo, parce que voilà. Uranus. Ah ouais, ça faisait toutes les planètes, c'est intelligent. Du système solaire. Les deux sont un peu moyen durs. Merci beaucoup, Glouglou. Allez. Est-ce que je vais y arriver, ça, je ne sais pas. Nous verrons bien. Incroyable quoi! Incroyable Morfufu, bravo! J'allais faire quelqu'un qui sert hein, pour de l'autre côté, genre qui était comme ça. Incroyable! GG. On a 12 sur 15. Oh là là. Oh là là. C'est dur. Ok. Après, les deux sont durs. Je teste celui-là. J'ai une vague idée. On va voir. Faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. Ok. Et là, on va faire ça. C'est dur. Ah oui, je vais faire ça. Voilà. C'est un verbe. C'est dur. Là, j'ai de faire content, mais c'est trop dur. Comment tu fais guérir en si peu de temps, quoi? Médiciné en témoigna. Vous aviez soigné. J'allais le dire, ben oui, j'ai vu Fury, t'avais écrit soigner. C'est dur. Et en plus, je fais des trop petits dessins, faut que je fasse en plus gros, mais. En fait, j'aurais dû enlever. Je sais pas pourquoi je me suis imaginé un lit de genre d'hôpital. Mais bon, c'est pour le côté malade aussi. J'aurais dû mettre juste quelqu'un assis sur une chaise, un médecin qui lui donne un truc, et vous aurez fini par trouver. Hier, ça prend du temps, c'est sûr. Un témoignage écrit médeciné. Merci. Oula.
Comment je fais ça? Je sais pas. Ah si, on va faire... tac. Hop. Bah non, comme ça, du coup, on va faire... Ok. Ensuite... Oh putain, je galère. C'est un verbe, hein, je sais pas si je vous l'ai dit. Ah, comment je peux... C'est pas facile. Non. Ah, si vous l'avez, incroyable! Bravo, Liridona! Je voulais que commencer à écrire, à faire quelqu'un, mais bon, on s'en fout de la personne. C'était pas ça qui était important. Ouais, c'était colorié. Bravo, bravo. Je vais faire un stylo, mais en fait, avec les rayons du soleil, bah, je crois que ça aurait ressemblé à rien, alors je préférais faire un truc. Bravo, les Redouna. Bravo, bravo. Incroyable. Hein? Je sais même pas ce que c'est. Attendez, il y a un mot, je ne sais pas ce que c'est. Je regarde vite fait, quand même. Je pense pas que je vais le faire, hein, mais... Ça se dit, ça? Non, mais... Ça se dit? Bon, je vais choisir l'autre mot. Vous saviez que le mot gériatre se disait? Gériatre, pas gériatrie. Je vais pas faire ça, je fais l'autre mot. What the fuck? Je suis choquée. Bravo Fury! Salière, ah, vous l'aviez, bravo. Bravo, bravo, vous l'aviez. Allez. On verra si j'arrive à le faire. Ah bah, bah. De lui qui vient de se connecter, c'est important. Bah oui, c'est un aigle, j'allais faire le bec crochu jaune. Bravo, bravo Témonia, elle est si forte, cette dinde. J'ai vu dinde, c'est pour ça. Bravo Anté, c'est incroyable. Elle a fait poule, aigle, faucon. Mais t'es trop forte, mais t'es trop forte, Anté. Écoute, hein, j'ai vu aussi oiseau et pigeon, j'aurais pu dire colombe aussi. Bon voilà, j'ai vu le mot d'Inde. J'ai... Désolée, t'es tombée sur ce mot-là. Bravo, incroyable. Antémonia à 50... qu'est-ce que je dis, 512 000, 25 points. C'est pour une dinde en plus. Mais non, mais c'est moi, j'ai dit le mot dinde, j'aurais pas dû... J'aurais dû tomber sur un autre mot et dire colombe. Fury, quoi, bravo! Incroyable. Non, ça, c'est ouf. Dis donc qui m'a carré. GG! Bisous, VOD. C'était
Vertichaud. L'antémonie est trop forte.